Il n'est pas stupide, il va partir non, en courant. Si l'armée va te tirer dessus. Mais ah, non. Bruno. Mais non, le vrai sujet, moi je. Enfin, je peux parler de reconnaissance de cause, je sais ce que ça fait des armes. Hein. On va rappeler que tu étais au Bataclan. Ouais. Et les tueries de masse, c'est ce que c'est aussi, malheureusement. Mais moi, j'ai peur de ça. Enfin, moi, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour mon meilleur ami, j'ai peur pour tous les gens qui s'arment, parce qu'à un moment donné, l'arme peut être retournée contre vous. Vous avez beau être tireur, un mec qui vous met un coup de tête dans la bouche, après, il va vous prendre votre arme. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'avant de tirer, vous allez quand même réfléchir une fois ou deux. Si lui en face, il a une arme, quel qu'il soit, vous allez prendre aussi un truc. Et moi, je pense que la violence, c'est pas la solution. Que vous l'attrapiez, moi perso, à la batte de baseball, je suis d'accord. Ah ben, vous l'attrapez, vous mettez un coup de batte, ok. Bah, mais une arme. Non, mais notre batte de baseball, peut-être dans les genoux. Après, il y a la légitime défense. Taper dans les genoux. Moi, je me suis déjà battu à batte de baseball, j'ai pris des coups dans les genoux, j'en ai donné dans les genoux. T'as pris des coups de batte de baseball dans un les genoux. Un tout petit mot sur la légitime défense, puisqu'on en parle. Ouais. Elle doit être immédiate, d'accord. C'est dans le temps, de l'attaque. Voilà, dans le temps de l'attaque, immédiatement, et ça doit être proportionné, comme tu l'as dit. Voilà. Mais Yvan.